très prochainement. Président, le gouvernement travaille à diversifier nos échanges commerciaux pour soutenir la classe moyenne, incluant la modernisation d'accords préexistants. La table de concertation de l'avare en conditions féminines travaille pour promouvoir l'égalité des sexes. Cette semaine, le ministre et son homologue chilien ont signé un accord modernisé introduisant un chapitre sur le commerce et sur l'égalité des sexes. La secrétaire parlementaire pourra-t-elle informer la Chambre sur la signification de ce chapitre dans la modernisation de l'accord de libre-échange Canada-Chili? Faire le commerce international. Le Canada vient de franchir une autre étape clé. Nous sommes très fiers de l'ajout d'un chapitre sur l'égalité des sexes dans l'accord de libre-échange Canada-Chili, une première pour un pays du G20. Celui-ci reconnaît l'importance de tenir compte des différences entre les sexes relativement aux enjeux commerciaux. Enfin, que tous puissent profiter de la croissance économique, y compris pour la participation des femmes sur le marché du travail. Voilà ce qui signifie le commerce progressiste pour notre